Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, j'arrive. Ah, excusez-moi, bonsoir chers amis. Je mets ça sur le côté. Voilà, j'arrive direct là, de Paris. J'étais au café de Flore, au quartier latin, Saint-Germain-des-Prés, juste à côté de l'église Saint-Germain. Je suis mort. Je fais un peu de jogging pour venir respirer un bon coup. Chers amis, je vais vous raconter mon histoire de cet après-midi qui est très instructif, qui peut être utile pour vous et j'espère que vous allez partager et me faire beaucoup de commentaires. Voilà, donc Paris, il faut être chic un peu. Et dans ce quartier, bon, je vous fais un peu d'histoire des cafés de Flore. C'est, vous savez, au mouvement, au moment de la révolution intellectuelle, le siècle dernier. Ça a commencé avec Jean-Paul Sartre et ses acolytes, enfin ses copains, des poètes, des artistes. Avant, c'était à Montparnasse et à Montmartre. Et petit à petit, ils sont venus au Quartier Latin entre les années 1930, je crois, 1950, 60. Et là, c'est le quartier là où les gens, les poètes aimaient se rencontrer. Il a toujours une bonne ambiance dans ce café et son concurrent, les deux magots à côté. Voilà. Qu'est-ce que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, chers amis. Attendez, je mets le micro. J'ai oublié le micro. Une minute, s'il vous plaît. Je vois le compteur se marche. Voilà, avec un petit micro. Je mets le foulard donc pour accrocher. Donc peut-être comme ça. Voyons qu'est-ce que ça donne. Bien, j'en étais où? Donc, je disais que l'ambiance dans les cafés parisiens, plus maintenant, mais avant, c'était vraiment bien. Il n'y avait pas de musique d'ambiance. C'était des petites boxes que chacun écoutait. On était tranquille. On a l'inspiration. Parce que vous savez, chers amis, je vous avais fait déjà des vidéos avec Krishnamurti. J'aime bien Krishnamurti. Il dit, l'être humain, c'est un être de relation. Il faut rentrer en contact avec les gens. C'est pour ça qu'on parle beaucoup actuellement d'empathie, d'amour, des techniques de communication, de coaching, de programmation neurolinguistique, de communication non violente de notre ami Marshall Rosenberg. Il faut entrer en contact avec les gens. D'un côté, les gens se plaignent d'être seuls chez eux, et d'un côté, une fois qu'ils sont dehors, bah, ils n'arrivent pas à entrer en contact avec les gens. Vous allez voir ce qui s'est passé ce soir avec moi. Donc, dans ce café, vous savez, j'ai pris une petite table et j'ai commencé à rédiger mon futur livre, qui sera sous forme d'index. J'essaie de faire, on m'a demandé de faire une indexation de toutes mes vidéos. Alors voilà, la procédure, c'est quoi? Eh bien, vous voyez, chaque vidéo, le titre, le descriptif. N'oubliez pas, chers amis, le descriptif en bas de la vidéo, c'est très important. Et ensuite, j'ajouterai quelques commentaires intéressants pour les vidéos. Alors, donc, c'est un travail colossal. Et en fait, la nouveauté, vous savez, comme je suis très très geek, hein, j'adore la technologie, c'est pas étonnant. Les cardiologues, c'est vraiment des super techniciens. Et nous, les cardiologues, on a beaucoup bénéficié des dernières découvertes en informatique. Et toutes les découvertes médicales, parce que nous sommes une science appliquée. On applique. N'oubliez pas que le cœur, c'est un champ magnétique, hein, enfin, il produit un champ magnétique. Donc, pour chaque vidéo, je prends le lien et je crée un code QR. Vous voyez ce code? Alors, on va faire l'expérience. Vous voyez, vous prenez ce code, et si vous avez l'application ou la plupart des téléphones le font, hein, allez, je vais faire la démonstration avec vous. Vous mettez sur l'appareil photo, vous voyez,
et l'appareil photo va coder. Et immédiatement, il vous dit ici le code. Vous cliquez là-dessus et vous avez la vidéo. La vidéo dont il est question ici. C'est pas beau ça, cette technologie? Voilà, ça, il vous met d'abord la pub. Vous avez eu l'idée? J'ai 600 vidéos. Pour chaque vidéo, je fais le code QR pour faciliter le suivi. Parce que n'oubliez pas, chers amis, chaque vidéo, c'est une perle. Et vous trouvez toujours des réponses dans mes 600 vidéos là. Vous voyez là, plein comme ça. Des réponses à vos questions existentielles, médicales, maladif, j'ai horreur du mal. Comme vous savez, je suis un homme pratique, ouvert au contact. Le cardiologue, c'est la communication. Vous vous souvenez, la technique de communication, l'émeraude. Alors, au café autour de moi, à côté, j'ai dit, tiens, je vais tenter une expérience. Pourquoi pas? C'est lui qui tente rien, il n'a rien. Donc, je disais aux gens qui étaient à côté de moi, je dis, tiens, voilà, voulez-vous, s'il vous plaît, essayer de scanner le code QR ici? Ici, avec votre portable, vous allez voir, chers amis. Ah, le micro, le micro, le micro. Encore, je vais le mettre peut-être comme ça. Alors, je regarde la personne et j'ai déjà l'intuition s'il accepte ou non. Mais je dis, c'est pas grave, je tente quand même. Je donne à mon voisin à côté, un jeune, bien occupé en train de manger, de boire. Bon, il a accepté poliment. Il était correct. Il a scanné. Ben oui, il a dit oui, ça marche. Il a scanné le code, il a la vidéo. Ensuite, j'ai vu un couple. Il avait un couple, une femme et un homme là, en train de nous regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il ne le connaît pas, il lui propose ça. Il regardait. Je dis oui, madame, essayez, voilà. Et la première vidéo là, si vous lisez, c'était où trouver le bonheur? C'est très important pour la suite. D'accord? Alors, dites, non, merci. Je dis, madame, essayez quand même. Ah non, merci. Son mari me regarde comme des sauvages, des porcs. Ils avaient la tête des porcs. Vous savez, l'être humain, quand vous regardez son aura, vous voyez son rayonnement. Je dis quand même, je tente, peut-être ça peut les aider, qu'ils s'ouvrent. Non, merci. Tout de suite. Chers amis, ne refusez jamais rien. Quand vous voyez que la personne qui vous le propose est correcte, qui n'est pas qui n'est pas agressif, quoi. Ne soyez pas fermé, soyez ouvert. Bon, le jeune homme part, il y a d'autres personnes qui arrivent, j'en profite, je dis, vous voulez essayer vraiment de scanner ce code, je suis en train d'écrire un livre. Franchement, j'ai senti que ce jeune homme qui venait d'arriver était sympa, quoi. La trentaine, vous voyez, c'est au quartier latin, le quartier des jeunes. Il a essayé, il dit, ah non, ce téléphone ne marche pas, il a essayé avec d'autres. Donc, il a fait un travail, il a fait un effort, vraiment. Et puis, il a scanné, eh bien, ça a marché. Il m'a dit, oui, ça a marché. Il m'a dit que c'est intéressant comme idée parce que lui-même, il travaille sur ses codes QR, vous voyez. Et je lui dis, on ne peut pas les diminuer. Il m'a dit, écoutez, voici ma carte. Voici ma carte, essayez. Bon, on reste en contact, vous voyez? Je vous le donne parce que son nom c'est de l'autre côté. Oh là là, ça fait 8 minutes que je parle. Oh là là. Bon, je vais me dépêcher. Il me donne sa carte. Moi aussi, je fais comme ça. Quand je rentre en contact avec quelqu'un, en partant, je laisse toujours des traces. Laissez toujours des traces. Tant que ce n'est pas méchant, quoi, vous le sentez. Et puis derrière, chers amis, je suis tombé sur vraiment quelqu'un de bien, un jeune de la trentaine. Avec son ami thaïlandais chinois. Regardez, il s'appelle Monsieur Tebi, Fashion Creativity Consultant. Il est incroyable, consultant en créativité. Il est à Shanghai, en Chine. Ensuite, il est à Qatar, à Doha, Dubaï. Il est ensuite en Allemagne. Ensuite, il est en Suisse. Il a plusieurs numéros de téléphone portables chez lui. Il y avait plusieurs. Je dis, ok, c'est intéressant. Merci. Ok, moi j'ai continué à travailler et puis d'un seul coup je me suis aperçu, je regarde ça. Alors il a oublié ses affaires, une sorte de porte-monnaie, des lunettes surtout, des lunettes et tout. Je dis ça alors, mais c'est à lui.
Je prends vite et je cours. Il avait déjà pris un taxi et parti. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous voyez, j'ai essayé ses numéros de téléphone. Il y en a un qui a fonctionné. Je dis, voilà, monsieur, je me présente. Je suis l'écrivain qui était à côté de vous et vous avez eu la gentillesse de m'aider pour tester mon code QR. Vous avez oublié quelque chose et je vous le garde le temps que... Oui, merci, merci, merci. Je prends un taxi et puis il est venu tout de suite récupérer ses affaires. Voyez, chers amis, l'empathie, ça paye l'empathie. Gardez toujours le contact, soyez ouverts. Supposons que c'était la dame et le couple à côté. Ben, ils auraient perdu leurs affaires. On a beaucoup sympathisé. La leçon à tirer, c'est quoi de cette affaire? L'empathie, chers amis, la gentillesse. On est des êtres humains. Ah, il s'est éteint celui-là. Ah, il faut que je le reprogramme. À chaque mise à jour, il faut tout reprogrammer. Que rentrons en contact. Quand vous êtes dans un train ou dans le métro, quand vous partez, regardez toujours si vous avez oublié quelque chose. Moi, une fois, j'ai oublié un caméscope dans le train. On ne me l'a jamais rendu. Par contre, une fois, j'étais à Londres. J'avais sympathisé avec les gens qui étaient dans le compartiment. J'avais oublié, perdu mon portefeuille à Londres. Une semaine après, je l'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres avec l'argent et la carte bleue. Oui, chers amis. Quand vous prenez un taxi, en partant ou en arrivant, je prends toujours une photo de la plaque d'immatriculation du taxi. Oui, vous allez me dire, oui, c'est le hasard, une fois comme ça peut arriver. Mais non, chers amis, une fois c'est le hasard, deux fois c'est une coïncidence, mais quand ça se répète, c'est une loi cosmique. Quand tu es sympathique, quand tu fais le bien, quand tu fais des efforts, que tu sèmes et tu récoltes. Et de nos jours, il y a un tel flux de l'énergie cosmique que tu récoltes tout de suite. Il fait chaud quand même, hein? Je vais enlever ça. La loi cosmique rend à chacun ce qu'il mérite. Alors, comment on va intituler cette vidéo, chers amis? La puissance de l'empathie et du sourire. Chers amis, je vous assure que en France, depuis 40 ans, 50 ans, la plupart des rencontres, des événements, des situations qui ont bouleversé et changé ma vie, toujours pour le bien, c'était parce que j'étais empathique et tu sens les gens. Voilà. Faites confiance aux lois cosmiques. Soyez empathique. Ne dites jamais à quelqu'un qui vous propose quelque chose, ah non, merci! Comme je me souviendrai de la tête de ces couples, c'était vraiment épeurant. Tant pis pour eux, parce que s'ils avaient vu, ils auraient eu où trouver le bonheur. À bientôt. J'ai encore trois autres idées, hein, que j'ai eues à Paris, même dans le train. À tout à l'heure. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.